Coucou à tous, donc voilà, je reviens avec une nouvelle vidéo, la vidéo tant attendue du garage qu'il fallait absolument que je fasse et que vous m'avez demandé mais énormément de fois suite à la vidéo cellier. Si jamais vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mettrai dans le petit i. On me l'a demandé mais je ne compte même plus le nombre de fois on me l'a demandé, donc ça y est, je l'ai enfin faite, je me suis donné du courage et je l'ai faite. Vous avez dû voir dans la miniature que c'était le très gros bazar, donc ça y est, je me suis motivée. Et une chose qui vous a énormément plu dans cette vidéo, c'est le fait que tout était à petit prix, donc j'ai voulu rester dans cette ligne de conduite là et c'est pour ça que je vous ai trouvé aussi un bon plan pour pouvoir gagner de l'argent tout en faisant des achats grâce au site iGraal. Donc c'est un site, une application et une extension que vous pouvez rajouter à votre navigateur web. Donc qu'est-ce que c'est iGraal? En fait c'est juste un site de cashback, c'est tout simple. Vous allez faire des achats sur internet et une petite partie va vous être rendue. Donc ça dépend après des marchands, le pourcentage qu'ils ont. Mais par exemple avec ces discounts vous avez 3%. Donc ça veut dire que si vous faites un achat à 100€, on vous redonne 3€ dans votre cagnotte. Et quand votre cagnotte va atteindre 20€, vous allez pouvoir demander soit un virement directement sur votre compte bancaire, soit un paiement par PayPal. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est super parce que du coup vous pouvez faire vos achats et en même temps on vous rembourse une partie. C'est valable aussi avec les codes promo, donc ça c'est super bien. Si vous tombez sur un site qui est partenaire avec eux et qui a un code promo, ne vous inquiétez pas, vous allez aussi avoir du cashback. Donc en plus de gagner de l'argent avec le code promo, vous gagnez de l'argent avec iGraal, donc c'est vraiment top. Donc moi je suis passée par eux du coup pour acheter chez Castorama et du coup bah, gagner de l'argent sur déjà des meubles qui n'étaient pas chers. Sachez que c'est très bien pour les gros acheteurs comme les petits acheteurs. Voilà, vous avez une cagnotte, soit vous allez la remplir très vite, soit vous allez la remplir moins vite, mais en tous les cas, pour n'importe quel type d'achat, que ce soit 1€ ou 1000€, c'est pareil, vous allez avoir un pourcentage dessus. Donc ils ont plusieurs marchands, c'est pas forcément que du Cdiscount ou que du Castorama. Il y a beaucoup de secteurs, vous avez la mode où il y a Boohoo, vous avez Amazon, donc ça rejoint encore plein d'autres secteurs. Vous avez AliExpress, en maquillage vous allez avoir Sephora, vous avez aussi Expedia pour les voyages, vous avez la Fnac Spectacle, enfin voilà, il y a énormément de marchands. Je vous invite à aller sur le site, vous allez dans la rubrique marchands et vous allez voir tout ce qu'il y a, ou sinon directement avec l'extension, vous allez sur internet, vous cliquez sur un site et ça va vous dire s'ils sont partenaires ou pas et le pourcentage du cashback. Donc comme je vous disais, pour refaire mon garage, moi je suis passée par Castorama parce que c'est là où j'ai trouvé les prix les moins chers et comme il y avait du cashback, bah, j'en ai profité pour passer par eux. Donc vous allez voir que tout est vraiment à petit prix, c'est à la portée de tout le monde et d'autant plus si après vous avez du cashback et que vous regagnez de l'argent par-dessus. Voilà, c'est tout bénef. Vous pouvez rénover votre garage en ne dépensant pas trop. Donc je vais vous mettre mon lien de parrainage iGraal dans la barre d'infos. Sachez que si vous vous inscrivez avec mon lien, vous allez automatiquement gagner 10€ à la place de 3€. Donc c'est pas négligeable, ça fait quand même 7€ de plus et vous en serez directement à la moitié de votre cagnotte pour pouvoir ensuite à 20€ vous faire directement le virement ou un paiement PayPal, donc c'est pas négligeable. Et petite précision que j'avais envie de vous partager parce que moi-même je me suis posé la question, comment ça se fait que iGraal arrive à nous reverser de l'argent? Et en fait c'est tout simple, ils sont en partenariat avec plusieurs marques et ces marques leur reversent un peu d'argent quand leurs clients passent par iGraal pour payer et donc du coup iGraal nous redonne une petite partie de ces commissions là, donc c'est comme ça qu'ils arrivent à nous reverser du cash.
À tout ranger, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié. Donc j'ai pris ces petites boîtes noires qui viennent de chez Castorama et j'ai trié en fait toutes les décos que j'avais, parce que c'est surtout les décos en fait qui traînaient dans des cartons à droite à gauche, dans des sacs. J'ai la fâcheuse manie de mettre tout dans des sacs cabas de course et je laissais traîner, donc c'était horrible. Et en plus après j'ai même plus de sacs cabas pour aller faire les courses. Donc bref, j'ai pris ces petites caisses qui sont vraiment pas chères, il me semble qu'elles sont à 4 € et elles sont vraiment très rigides. Et du coup j'ai fait selon les thèmes. Donc là j'ai fait Halloween, donc tout ce que j'avais d'Halloween j'ai tout remis dans la boîte. J'ai même retrouvé des bonbons, donc sur le coup je les ai posés dans la boîte parce que j'étais en train de ranger, mais il va falloir que j'aille rechercher dans la boîte pour les enlever parce que dans le garage ça craint un peu le sucre. Mais voilà, j'ai tout rangé comme ça par thème. J'ai tout trié, donc j'ai enlevé tous les cartons. Comme je vous disais, en fait, on a laissé les cartons de notre déménagement et maintenant ça va faire 1 an qu'on est dans cette maison, donc là ça ne va plus, ce n'est plus possible de garder des cartons de déménagement 1 an après avoir déménagé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un gros sac poubelle et j'ai tout trié. Donc tout ce qui ne me plaisait plus, dont j'avais plus l'utilité, que je gardais, je ne sais même pas pourquoi je le gardais, j'ai tout jeté, j'ai tout mis en poubelle et après à jeter au tout venant à la déchetterie. Et en fait voilà comment on fait le tri, enfin du moins comment moi je fais le tri, c'est le tri par le vide. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ça. Vous prenez un sac poubelle et tout ce que vous n'avez pas besoin d'utiliser là, maintenant ou dans les semaines qui viennent, vous jetez, à part bon, les souvenirs, mais sinon si c'est un truc qui a vraiment zéro utilité à part le fait de le garder pour le garder, ben ne le gardez pas en fait. Jetez-le, ça vaut mieux, ça vous prendra moins de place et ça sera surtout plus clean. Je suis choquée, il y a un truc que je cherchais depuis hyper longtemps, c'était ce pyjama que j'avais pour la maternité avec Maddy et je le voulais là pour cette fois-ci et je l'ai pas trouvé. Et là j'ai même carrément retrouvé cette veste qui était à Maddy que j'aime trop, en jean comme ça, donc ça ira pour bébé. En plus je crois que c'est 6 mois donc ça va être juste maintenant. Attendez, je vais voir, c'est bébé. Et je crois que c'est du 6 mois en plus de Z, donc bon voilà. J'ai retrouvé des chaussures et tout, je suis choquée. Bon bah écoutez, hein, ça ira à mon bébé, mais il faut que je range le garage pour retrouver des trucs. Pareil, ça c'était à moi. Bon, ça du coup, ces cintres-là, ça va plus aller. Je sais pas ce que je vais en faire, mais bon, vous voyez, il y a plein de choses que je cherchais. Oh, je suis choquée, il y a plein de trucs que je cherchais. Comme ça, ce petit Bombers. Bon, du coup, ça... Oh là là, ça aussi, je l'ai cherché partout, je les trouve que maintenant, sachant qu'on est au printemps, donc ça va être mort maintenant. Ça c'était à Noé quand il était petit, j'avais fait exprès de les garder pour Maddy, je les retrouve que maintenant, et ouais c'est du 24, donc ça va être juste pour Maddy. Enfin, je retrouve plein de choses, ce short trop beau qu'on m'avait offert, qui va aller pour Maddy du coup, je retrouve énormément de choses. Ça aussi, ce genre de couche d'eau, ça va être trop bien pour la piscine cet été. Enfin bref, voilà, faites du tri chez vous, vous allez retrouver plein de choses. Hein. J'ai retrouvé mon panier vapeur pour le baby cook. Donc si vous avez suivi ma dernière vidéo où j'en parlais, il me fallait absolument le panier vapeur. Du coup je l'ai retrouvé, je pourrais toujours pas cuire à la vapeur à moins que je laisse ma main dessus ou que je trouve un poids ou quoi. Mais en tout cas ben voilà, comme je vous avais dit, j'en étais sûre qu'en rangeant mon garage j'allais le trouver du coup. Vraiment, en faisant le tri, j'ai retrouvé de ces choses. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Une boîte avec des compotes dedans. Parce qu'en fait, dans mon ancien cellier, si jamais vous avez vu la vidéo, j'avais des boîtes pour mettre les compotes. Et quand on a déménagé, je me suis pas cassé la tête à tout mettre en carton. J'ai pris les boîtes comme ça. Sauf que je les ai laissées dans le garage et que du coup, bah, c'était plus bon. Donc vous voyez, tous les cartons là, c'est vraiment les cartons
du déménagement, c'est n'importe quoi. Et vous avez des sacs cabas, comme je vous ai dit. Là, par exemple, il y avait de la nourriture et c'était quelque chose que j'avais acheté il n'y a même pas 2 semaines, je crois, des biscottes. Et c'était dans le garage. Parce qu'en fait, vraiment, dès qu'on avait quelque chose qui nous gênait dans la maison, on se disait, allez hop, on le pose au garage et puis on rangera plus tard. Et vraiment, c'est un cercle vicieux de faire ça. Je vous jure, ne faites jamais ça. Parce que vous allez vous dire une fois, oh, c'est bon, je laisse traîner. Puis 2 fois, puis 3 fois. Et puis après, vous vous retrouvez avec ça. Et je peux vous dire que quand il faut se motiver pour nettoyer et ranger ça, c'est vraiment dur, hein, vraiment. Et donc j'ai continué mon rangement dans des grosses boîtes. Donc là j'ai mis les chaussures dont je me sers le moins. En fait j'ai tout mis dans ce gros bac. Il y aura même les chaussures de Wally, 2-3 chaussures qui étaient à Noé et ils sont trop petites. Donc maintenant je garde pour Maddy. Et je me suis pas cassé la tête à trier quelles chaussures etc. J'ai tout mis dans la boîte, je referme et comme ça ni vu ni connu. C'est bien rangé, ça prend pas de place et au moins c'est quand même, ça fait assez propre on va dire et ordonné. Ensuite j'ai retrouvé un carton où il y avait l'ancienne déco de Noé quand on était à Marseille. Donc il avait une déco sur le thème de la jungle, tout ce qui était un peu Koh-Lanta, c'est Walid qui disait ça parce que j'avais mis des flambeaux et tout. Enfin bref, du coup j'ai retrouvé cette déco, j'ai mis dans une boîte. Pareil, il y avait aussi la déco de l'anniversaire de Maddy qui était sur le thème du roi lion. Donc c'est un peu dans le même délire, la savane, la jungle, etc. Voilà, j'ai tout mis dans une boîte, ça pourra toujours me servir pour un prochain anniversaire ou une fête à thème. Voilà, n'hésitez pas à garder vos décos des anniversaires de vos enfants, on sait jamais, ça peut toujours resservir pour une déco de fête ou une déco de chambre ou de salle de jeu ou voilà, n'hésitez vraiment pas à garder. Et dans une troisième boîte, j'ai mis ma déco en fait classique que j'avais dans mon ancien salon, que j'ai pas utilisé pour ce salon là. J'ai tout mis ici, donc il y a des choses qui sont encore empaquetées et ça date du déménagement de Marseille, donc il y a quasiment 2 ans maintenant. Donc j'ai tout mis dans cette boîte pour pouvoir garder ça si jamais un jour j'ai besoin de les réutiliser. Et ensuite j'ai disposé ces 2 petites armoires basses qui viennent de chez Castorama. Donc c'est Walid qui les a montées pendant que j'étais en train de vider le reste du garage. Donc voilà, on travaille en équipe, mais comme vous savez il ne veut pas apparaître sur les vidéos YouTube, donc forcément je ne l'ai pas filmé, je me filmais moi quand j'étais en train de ranger. Enfin bref, il a monté les 2 armoires, il m'a aidé à poser le plan de travail. Moi j'ai juste enlevé les petits morceaux en plastique qu'il y avait sur le dessus, sinon en fait le plan de travail bougeait et donc du coup c'est pas du tout stable et pas du tout sécuritaire. Donc je les ai enlevés pour que le plan de travail soit bien stable. Par contre on ne l'a pas fixé pour pouvoir l'enlever un jour si on a besoin de l'enlever. Donc c'est un simple plan de travail qu'on a coupé, enfin qu'on a fait faire couper à la dimension qu'on voulait. Je l'ai posé simplement comme ça sur les 2 petites armoires pour que ça fasse, comme vous allez voir après, un petit atelier. Donc après, à savoir qu'avec ces 2 armoires basses, si jamais vous voulez faire le même système que nous avec un plan de travail sur le dessus, c'est quand même assez haut. Nous on est très très grand, enfin je fais 1m75, Walid 1m90, donc ça nous arrange d'avoir quelque chose de haut, mais si jamais vous êtes petit ça risque d'être trop haut. Et ensuite le soir, Walid a posé des crémaillères avec des équerres et les étagères. Et là on se retrouve pour le jour numéro 2, donc il me restait encore beaucoup de travail. Donc comme je vous ai dit, il a posé du coup les crémaillères avec les équerres et les planches. Le tout vient de chez Castorama. La petite planche comme ça en acier pour pouvoir mettre les outils vient aussi de chez Castorama. Les boîtes aussi, je vous ai dit, hein, là je suis vraiment, enfin j'ai tout fait chez Castorama, c'était vraiment pas cher. Et en plus avec le cashback du coup c'était tout bénef. Donc voilà. Tout cet atelier vient de là-bas. Donc j'ai disposé mes boîtes, j'en ai pris que 4, mais j'hésite à aller en reprendre 2 pour que ça fasse 6 et que j'en mette 3 par étagère. Et ensuite je me suis mise à ranger le tout dans mes petites armoires basses. Donc dans celle de droite j'ai disposé du linge que j'avais, c'est des anciennes housses de canapé qu'on n'utilise plus du tout. Je les ai disposées comme ça dans l'armoire, mais c'est pas du tout la bonne solution. Il faudrait plutôt que j'achète des sacs de stockage spécial pour tout ce qui est textile pour pouvoir les mettre. Mais là, j'avais vraiment pas le temps. Il fallait que ce soit rangé, donc j'ai mis ça comme ça. Et ensuite, dans l'armoire de gauche, j'ai mis tout notre matériel, donc de peinture, parce que j'en ai partout. On avait un gros sac, comme vous le voyez, où on mettait tous les outils. Donc c'était provisoire, mais voilà, tout s'est accumulé. Donc là, il a fallu que je fasse du tri, que je mette peinture par peinture. J'ai pris un petit bac où j'ai mis du coup
tout ce qui est scotch, etc. Donc voilà, j'ai tout trié sur le tas. À savoir, ce qui est bien avec ces petites armoires, c'est que vous pouvez les cadenasser. Donc c'est pour ça que j'ai pu mettre tous ces produits-là. De toute façon, les enfants n'ont pas accès au garage parce qu'il faut passer soit par la grande porte, donc ils ne passent pas, soit il faut passer par le cellier et ils n'ont pas accès au cellier. Donc quoi qu'il arrive, on n'a pas accès à cette partie-là de la maison, mais sait-on jamais. En tous les cas, vous pouvez fermer ces armoires avec un cadenas. Donc c'est pour ça que j'ai pu mettre tous mes produits, ma peinture, les cordes comme ça. J'ai tout mis à cette hauteur-là parce que je sais qu'on va pouvoir cadenasser les portes pour pas qu'ils ne puissent avoir accès à tout ça. Ensuite, j'ai dit à Walid de me laisser son matériel sur le plan de travail pour que je puisse avoir des choses à vous montrer, évidemment. Donc j'ai tout nettoyé, les petits morceaux de mur qui étaient tombés, et je vais trier du coup tous nos outils. Donc comme je vous disais, on a déménagé 2 fois l'année dernière et donc du coup on avait tout dans un sac bleu. C'était le bazar total, tous les tournevis, toutes les vis, etc. Donc du coup là je me suis mis à tout trier. On a acheté ce panneau en fer qui est exprès pour mettre les outils. Donc vous avez des petits crochets à acheter vous-même et à mettre là où vous avez envie sur ce panneau, et vous allez juste disposer vos outils. Donc là j'avais pris que des petits crochets pour les tournevis et ensuite des autres tout petits crochets qui sont plutôt pour les pinces, donc forcément j'ai pas pu tout mettre sur mon plan, mais vous avez plusieurs types de crochets. En faisant le montage, je me suis aperçue qu'à cause du soleil, la luminosité était vraiment trop haute au niveau du panneau. Et je pense que le fait qu'il soit en fer, ça a reflété. Donc là, cette partie de la vidéo, vous allez voir tout du blanc. Et en fait, à chaque fois que je me recule, ça fait un peu contre-jour et vous allez mieux voir. Donc je suis vraiment désolée pour cette partie-là de la vidéo. J'ai vraiment pas vu, j'étais tellement concentrée dans mon truc que j'ai même pas regardé ce que ça donnait. Et c'est vraiment qu'au montage que je me suis aperçue de ça. Mais bon, après, c'est pas un truc de fou, hein. J'ai juste mis les crochets là où j'avais envie et j'ai disposé les outils un peu comme j'avais envie. D'ailleurs, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Walid, il m'avait dit de mettre la scie un peu plus haute et moi j'ai mis ça en bas. Mais bon, de tous les cas, il y a une sécurité sur la scie, c'est en hauteur et en plus de ça, les enfants n'ont pas accès à cette partie là de la maison, donc voilà. Mais si jamais vous voulez refaire le même genre de panneau, mettez plutôt la scie en hauteur plutôt que si basse que ça. Ensuite, j'ai pris notre petit bac, donc voilà, encore solution débrouille. On avait un bac avec toutes nos vis, toutes nos chevilles dedans. Quand on avait besoin de quelque chose, c'était une horreur pour retrouver. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce petit meuble avec 4 tiroirs et j'ai tout trié. Donc il y a juste les vis que j'ai pas triées parce que je vous avoue que j'étais fatiguée et que j'avais vraiment la flemme. Et on fera ça plus tard parce que c'est vraiment pas top par contre de mélanger des petites vis avec des plus grosses, des plus grandes, etc. C'est pas quelque chose à faire. Mais là, c'était une solution en attente. C'est beaucoup mieux que ce bac tout poussiéreux où il y avait tout de mélangé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tiroir avec les chevilles, un tiroir avec les vis, un tiroir avec les parties de meubles, parce que souvent quand vous achetez des meubles, vous avez des trucs en plus, donc j'ai tout mis dans cette partie là et l'autre partie, c'est plutôt les crochets. Ensuite, j'ai pris une boîte à outils et j'ai rajouté tous les nouveaux outils parce qu'on en a profité pour acheter des nouveaux outils, hein, vu qu'il y avait la moitié des trucs qu'on avait perdus, on savait pas pourquoi, où est-ce qu'ils étaient, puis finalement je les ai retrouvés en rangeant le garage. Donc voilà, bref, j'ai tout mis les nouvelles choses qu'on avait achetées dans la boîte à outils, j'ai disposé 2-3 outils. Et ensuite, je vais la ranger entre les deux armoires basses parce qu'elles rentrent nickel chrome, on aurait dit que c'était fait pour.
Et dans mon dernier bac noir, j'ai décidé de mettre toutes les affaires de plage, donc tout ce qui est seau, etc. Il y en a qui sont aussi dans le jardin pour qu'ils puissent jouer avec, mais ça c'est vraiment ce qu'il y avait en plus, donc j'ai tout mis dedans avec les sacs de plage. Ensuite, dans notre coffre de toit, j'ai ajouté des choses. Donc ça, c'est une petite astuce. Si jamais vous avez un coffre de toit et que vous allez le disposer dans votre garage en hauteur ou quoi, n'hésitez pas à le remplir. Bon, pas trop non plus au point que ça casse le mur et que ça tombe, mais n'hésitez pas à mettre des choses dedans, ne pas le laisser vide, ce serait dommage de perdre de l'espace comme ça. Le ménage, m'a dit. Non. Tu fais l'aspirateur. Ensuite, sur le côté de notre garage, comme vous voyez, on a une petite marche, donc j'en ai profité pour disposer 2-3 petits trucs, tout ce qui est balai et tout, pour les avoir à portée de main, parce que c'est vraiment juste à côté de la porte pour entrer dans le garage et du coup qui donne sur le cellier. Donc ce qui fait que dès que j'entre dans le garage, bah au moins j'ai à portée de main tout ce qui est aspirateur, balai, la serpillière, etc. Et j'ai réutilisé ce porte-manteau avec des roulettes qui venaient de chez Ikea pour disposer en fait mes boîtes que j'avais d'avant où il y a toutes les décorations de Noël qui sont vraiment grosses. Et pour éviter que ça fasse vraiment moche en plein milieu du garage, j'ai préféré les mettre du coup sur ce portant pour qu'au moins ce soit bien rangé. Et en même temps, je vais me servir de ce portant pour y mettre les affaires de pluie de Walid pour le jardinage. Donc comme ça au moins tout est rangé. En plus c'est sur roulettes, donc si jamais vous avez besoin de les déplacer pour X ou Y raisons, c'est super pratique parce que du coup ça roule et ça vous évite de porter toutes les grosses boîtes, surtout la plus grosse, là elle est vraiment très lourde, au moins ça m'évite de porter ça. Et ensuite Walid a fixé deux crochets pour pouvoir mettre le coffre de toit avec des sangles. Donc les deux crochets viennent aussi de chez Castorama. Et ce qui est bien, c'est que du coup c'est un gain de place parce qu'au moins le coffre est en hauteur. Il nous prend pas de l'espace en bas. En même temps j'ai pu ranger 2-3 trucs dedans, donc du coup ça m'a fait des rangements. Donc vraiment trop bien de mettre les coffres de toit comme ça en hauteur. Ensuite entre le portant et en fait la marche, j'avais encore un peu de place, donc j'ai rajouté mon sapin qui est quand même un assez gros carton. J'ai mis 2-3 petits trucs comme ça sans que ça fasse non plus cafouillis avec plein de choses qui débordent les unes sur les autres. Mais au moins c'était rangé, je sais où c'est. Et quand vous voyez le garage comme ça par la porte que vous ouvrez, ben, ça fait pas non plus le bazar parce que c'est un peu caché derrière. Et une fois tout le rangement fini, il ne manque plus que le ménage. Donc voilà, pas le choix, j'ai passé un coup de lavette parce qu'il y avait encore des traces blanches. Je vais passer un coup de balai pour nettoyer toutes les poussières qui étaient dans le garage, c'est la base. Et comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça donne à la fin, donc le résultat du avant-après, parce que c'était un sacré bazar et ce que j'ai réussi à en faire, je suis super contente parce que du coup j'ai du rangement pour pouvoir ranger bah, tout ce qui est décoration de Noël, les chaussures, enfin tout ce qu'on ne va pas mettre dans la maison, les décos, etc. Et en même temps j'ai créé un petit atelier pour Walid pour qu'il puisse bricoler, donc vraiment on est tous les deux super contents.
Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Au niveau du prix, j'en ai eu pour 260 €. Tout compris, donc comme vous le voyez, j'ai quasiment tout pris à Castorama. En plus, j'ai eu du cashback grâce à Igral, donc j'ai vraiment fait des économies. J'espère que ce bon plan va vous plaire, va vous surtout vous aider. Et n'hésitez pas à me retaguer dans vos stories si jamais vous faites le même genre de garage, si jamais ça vous a motivé et que vous aussi, vous avez refait votre garage. N'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir de voir ça et je vous reposterai avec grand plaisir. Bisous !